la base, moi, je suis claviériste et j'utilise plutôt des claviers qui se prêtent à ce genre de musique et qui sont des claviers vintage, des claviers des années 60-70 et qui étaient particulièrement utilisés dans la musique funk de cette époque-là, si tu veux. Donc, il y a un élément funky dans ce que je fais. Il y a un élément soul, un élément rock, plus dans l'énergie, un élément un petit peu pop old school, façon Beatles ou Bowie. Électronique aussi. Il y a un élément musique électronique, effectivement, puisque je bidouille aussi avec le laptop. Un élément hip-hop aussi, dans la programme des batteries. Enfin, moins sur le dernier disque, mais... C'est vraiment un truc fait pour les oreilles plus que pour la tête, je crois. Et puis le cœur. Et donc, enfin, pour le cœur et les oreilles plus que la tête. Et donc, il faut se faire un petit peu son avis sur la question en écoutant. Maintenant, si on veut... réussir à donner une petite description qui soit un petit peu plus directe. Pour moi, c'est un funk futuriste. C'est-à-dire que ça... Funk, ça veut dire que ça s'inscrit quand même dans une tradition, mais c'est futuriste dans le sens où ça propose quand même des options qui sont pas des choses qui existaient avant, quoi. J'ai fait le disque le printemps dernier, donc printemps 2011, ouais, en 4 mois. J'avais assez peu de temps pour le faire, j'étais pris par d'autres projets avant, et puis on s'était donné des deadlines avec discographe, des dates butoirs avec discographe, le label français. On s'était dit, faut que ça sorte à l'automne, pour que ça sorte à l'automne, faut que ce soit fini au printemps, donc voilà, j'avais 4 mois. Et c'était les 4 mois pendant lesquels on a organisé avec ma petite famille donc le déménagement pour quitter la baie de San Francisco et partir pour Berlin, en fait. Qui est un déménagement qui nous prend un an. Mais en fait, pendant un an, on est en tournée. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et puis c'est cet été qu'on déménage sur Berlin. Et donc effectivement, j'ai écrit le disque au moment où on était en train de dire au revoir à cette maison. On a été très heureux à Berkeley, dans la région de San Francisco, pendant 12 ans. Je fais la musique qui me vient quand je me lève le matin, quoi, en gros. Donc c'est pas, il y avait pas de théorie ou d'idée spéciale derrière tout ça. C'est avec le recul, une fois que j'ai fini le disque, déjà parce qu'on me disait, mais c'est marrant, il est plus mélancolique ce disque que les deux d'avant, parce que moi j'avais même pas réalisé quand je le faisais, et je me suis dit, mais ah oui, effectivement. Et bon, il y a quand même un morceau en particulier qui parle carrément du déménagement, qui s'appelle Pack Up Your Bags and Go. Donc c'est prends tes sacs et pars. Et donc là, ça confronte cette situation directement, si tu veux, mais de manière générale, effectivement, il est un petit peu plus intime, et c'est plus une invitation à se poser un petit peu, ce disque-là, alors que le disque d'avant, Good City, c'était plus un disque pour faire la fête, quoi. Il n'y a pas de pays parfait, tu vois, c'est juste c'est une couleur différente, il s'y passe autre chose, et le fait est que quand t'es inspiré par la musique noire américaine, ce qui est beaucoup mon cas, c'est quand même là-bas que ça se passe, si tu veux. Le foie gras, c'est en France, mais la soul, le funk, c'est là-bas, tu vois. Et musicalement, ça m'a fait un bien fou, et de plein de points de vue, et notamment d'un point de vue aussi purement de l'enthousiasme des gens. C'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai, les gens te poussent au cul là-bas. Mais moi, ça m'a énormément servi, parce que j'aurais pas fait un projet solo si j'avais pas eu des gens qui me disaient, mais tu peux le faire, vas-y, tu vois. Notamment, je me serais jamais mis derrière un micro, j'étais pas chanteur, moi, tu vois, et ça m'a mis du temps d'ailleurs à trouver le personnage, à même juste techniquement arriver à peu près à faire ça, tu vois. Au début, c'était brutal, et puis aussi je me suis retrouvé baigné dans un espèce de chaudron ultra bouillant de hip-hop indépendant avec Blackalicious, etc., vu que j'ai joué et tourné avec ces gars-là. C'est un peu surtout à cette époque-là, au début des années 2000, c'était un des plus grands groupes de hip-hop indé des États-Unis, quoi. Et j'ai tourné pendant un an et demi au clavier avec eux, joué sur leur album The Craft. Et donc, j'étais un peu initié d'une très belle manière à cette musique-là et ce milieu-là. Et juste de voir de l'intérieur comment ils envisagent cette musique et juste la musique en général, ça m'a fait beaucoup de bien. La musique de film, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La musique sur image, et je suis un grand fan de cinéma en général, pas juste la musique de film justement, mais aussi le cinéma tout court. Et donc j'étais heureux de pouvoir vraiment mettre la main à la pâte pour la première fois et écrire de la musique exprès pour des scènes et exprès pour des acteurs, pour Les Beaux Mecs, donc cette série sur France 2. C'était une super expérience, très très demandante au niveau de l'investissement et ouais, de l'énergie nécessaire, mais j'ai appris énormément de choses. Il y avait eu plus de 500 MP3 envoyés, je crois, pour... Ouais, enfin, il y avait énormément de scènes dont il fallait faire la musique, et puis, tu vois, plein de changements dans le montage, donc il fallait refaire, etc. C'était beaucoup de boulot, mais très intéressant.
ça commence par une scène d'évasion de prison, tu vois. Donc je sais pas. Enfin, ça, c'était vraiment un rêve. Et je sais pas si j'aurai un jour l'occasion de nouveau de faire de la musique pour une évasion de prison. C'est une scène incroyable, une évasion de prison. Enfin, au niveau de ce qui peut se passer musicalement, tu vois. Et donc, et c'était vraiment une série de gangsters. Donc ce truc-là, j'ai pu l'exorciser. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses que j'aime dans le cinéma, en fait. Donc et puis justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est le fait que la palette est peut-être très large. Et tu vois un gars comme Morricone, qui est surtout connu pour ce qu'il a fait pour les spaghetti western, mais en fait quand tu regardes, il a fait plus de 500 musiques de films, ce mec, c'est dément, quoi, la quantité de choses qu'il a faites. Écrire pour l'image, c'est en même temps une limitation, donc t'as un espèce de petit carcan quand même, parce que c'est téléphone, ta musique doit fonctionner avec ce qui se passe à l'écran, mais c'est en même temps une libération, parce que t'es plus face à un format où le cerveau des gens s'attendent à ce qu'il y ait couplet, refrain ou quoi que ce soit, ouais. Tu vois, c'est genre soudainement la seule chose qui te guide, c'est l'image. Et donc tu peux avoir un morceau qui dure 10 minutes qui passe pas deux fois par la même note, en fait, et ça évolue sans les règles habituelles de la pop, quoi. Et j'aime bien cette idée là en fait. L'exception pour moi au niveau du processus, c'est le processus que j'utilise pour General Electric, où je fais tout en fait. Moi, je viens des collaborations, en fait. J'ai beaucoup bossé avec d'autres gens par le passé avant de commencer ce projet, aussi bien des groupes dont je faisais partie moi et pour lesquels je co-écrivais, que carrément des gens pour qui j'étais juste claviériste. J'ai commencé ce truc là General Electric vraiment comme un défouloir dans mon coin, et puis il se trouve qu'un morceau, Tu m'intrigues, est tombé dans l'oreille de Pierre Valfis, qui était le chef du label bleu, et c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit, mais est-ce que t'as un album de ça? Et je dis non, j'ai pas d'album. Il dit, bah, fini, moi je sors l'album. C'est comme ça qu'est né le projet, en fait, tu vois. Et bizarrement, c'est en faisant cette musique où je me lâche totalement et j'estime d'en rien avoir expliqué à personne, tu vois. Et c'est intéressant, c'est là que ça s'est vraiment mis à marcher, en fait. Et je pense que c'est une leçon intéressante. Je pense qu'on se pose parfois peut-être un petit peu trop de questions sur comment ça va finir en radio, quel genre de morceau faut écrire. Après, libre à d'autres d'estimer que c'est plus justement un artisanat d'arriver à façonner un truc pour faire en sorte que ça passe à la radio, tu vois. J'ai aucun souci avec ça, c'est juste pas moi, quoi. Ouais. Et donc voilà, moi je suis parti dans cette logique là avec General Electric, celle de juste faire la musique qui me vient. Et j'ai pas de souci avec le fait que le résultat des courses peut être que ça va pas passer sur NRJ, si tu veux. À partir du moment où t'as fait tes choix, y a pas de souci. Et puis ça nous a pas empêché de trouver un public quand même, c'est ça qui est intéressant, en fait. Ça montre aussi un peu une disconnect, je pense, entre les médias mainstream et ce que les gens attendent, en fait. Au début du XXe siècle, les gens qui faisaient de l'édition musicale, donc des partitions, ils étaient scandalisés quand la radio est arrivée, tu vois, parce qu'ils considéraient que, attends, du coup les gens vont écouter la radio, donc ils vont acheter moins de partitions parce qu'ils vont moins jouer du piano. Et ça, c'est un changement technique qui a bouleversé économiquement l'industrie de la musique, tu vois. L'internet, c'est juste un changement technique de plus, c'est en train de tout bouleverser, soit, mais c'est déjà arrivé par le passé. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je me dis que ça sert de promotion, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aller chercher ailleurs la manière de te faire des sous et de te mettre un toit sur la tête quand t'es musicien. Il faut avoir la main dans plein de paniers, donc pas hésiter à laisser tes morceaux être utilisés pour être synchronisés sur une pub ou ce genre de choses, tu vois.